s'éloigner. S'il vous plaît. Qui est coupable? La justice française a condamné l'État. Et lui a laissé un délai pour réparer les dégâts de son inaction climatique. Le délai est arrivé à son terme le 31 décembre 2022. Bah, aujourd'hui, le but, c'était tout simplement de dénoncer un État qui est désormais officiellement criminel, puisqu'il a été condamné dans l'affaire du siècle l'année dernière. Et cette condamnation intimait l'État de réparer son préjudice écologique au 31 décembre 2022, ce qui n'a pas été le cas, comme on l'a vu dans les informations, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas du tout ou presque pas diminué en 2022. Donc maintenant, officiellement, l'État est coupable. Qui est coupable? Qui est responsable de cette tragédie qui va malheureusement coûter la vie à des millions de personnes dans les années qui viennent, qui va provoquer des guerres, des famines? Et il faut réagir, et c'est pour ça qu'on invite les citoyens qui partagent nos valeurs et qui ont le souci de protéger leurs proches, leurs familles, leurs amis, de rejoindre la résistance civile et de venir avec nous pour faire des actions perturbatrices qui forceront le gouvernement à agir à la hauteur de l'urgence.